Progression de carrière, risque niveau 4 avec l'accès au risque niveau 4. Lynx Salvage vous accueille dans les rangs des hauts revenus potentiels. L'extraction des réacteurs des vaisseaux est l'une des tâches les plus importantes que nos employés peuvent accomplir. Nous attendons de vous que vous employiez le plus grand soin lorsque vous opérez dans les différentes configurations de réacteurs que vous rencontrez. La récupération des réacteurs intacts doit être votre priorité absolue lors de chaque opération de récupération. Il est conseillé de dégager un chemin direct vers la barge pour une extraction plus sûre. Les réacteurs deviennent instables une fois sortis de leur châssis protecteur et peuvent causer de graves dommages aux objets environnants. Le fait de ne pas extraire un réacteur en toute sécurité constitue un manquement aux normes de performance attendues. Si vous considérez que votre capacité à extraire un réacteur en toute sécurité est un facteur de risque, parlez-en à votre superviseur. Bon, et ben on va essayer d'être rentable. I think it's time for you to learn about the motherlode of any ship, the reactor. Most dangerous part of shipbreaking, but you got this. Continue when you're ready, Cutter. Oui, je suis prêt, mais d'abord, on va aller finir notre autre vaisseau, quand même, s'il te plaît. Hein. Bonjour, bonjour et bienvenue au Vieux Gamer. Ici, c'est Papy. Ici, Papy la ferraille. Oui, Papy la ferraille est en place. On va continuer le vaisseau. Désolé. Oui, blablabla, blablabla, maximum de valeur, des récompenses, blablabla. Bla, bla. On y va avec le vaisseau existant. C'est parti, parce qu'il faut qu'on termine quand même ce vaisseau avant de découvrir le niveau supérieur. Il reste encore de la tonne à récupérer. Oh, elle m'emmerde celle-là! Putain, c'est du harcèlement à ce stade! Ah, elle nous pète les bonbons, elle, hein! Alors, aujourd'hui, notre volonté, elle va être tout simplement de sortir le sas de son rang, de son logement ici. On va essayer d'aller découper ce qu'on peut découper, parce que le sas, c'est quand même 243 000 balles. Ça pèse beaucoup, mais c'est quand même quelque chose qui, clairement, va avoir son importance pour nos finances du jour. Ok. Je ne sais pas ce qu'elle raconte, hein, les enfants. Je ne regarde même pas. Je n'essaye même pas de lire ce qu'elle est en train de nous raconter. Là, elle me fatigue, celle-ci. Stop. Ok, je pense qu'il doit en rester aussi au-dessus. Hop! On va le dégager, ce sas. Et il nous reste juste ici, hop. Voilà, regardez ça, si c'est pas merveilleux. Ok, stop. Ensuite, nous allons repasser sur le grappin, hop. Sangler le tout. Et regardez comment ça s'en va, c'est nickel. Pendant que nous récupérons ici et que nous envoyons la barge, le sas vers le bas, c'est magnifique. Et regardez le pognon qui va monter. 77 000 sur le panneau de nanocarbone et 243 000 sur le sas. On est très content. On vient quasiment de rentabiliser notre journée d'un seul coup. On va y envoyer une petite lumière. Ça, c'est pour payer notre oxygène du jour. À chaque fois, essayez d'être le plus rentable possible dès le début de la journée. Hop. Bon, bah écoutez, on a bien découpé de ce côté-là. On va aller faire l'autre côté. Avec les câbles électriques. Ah putain, il y a encore des câbles électriques ici. Il se décroche pas tout seul, celui-là. Non, il y a un point de découpe, j'ai vu à l'intérieur. On va aller le chercher, le point de découpe. Stop. Ou pas, d'ailleurs, si, là-haut. Ok, alors, découpage. Ça c'est fait.
Tap. Poum. Material accepted. Credits assigned. Ok, ça, ça sera pas bon. Oh, regardez, surprise aussi. Attendez. Voilà. Et ça, ça va. Excusez-moi. Je ressorte par là pour l'envoyer. Poum, vers la barge. Autre élément qui va être important. Tap. Oh putain, il est accroché encore quelque part celui-là. Attendez, là, je le vois. Il y a encore un point de là. Hop. Est-ce qu'on pourrait... Merci, parce qu'au bout d'un moment, on va faire un carnage là-dedans. Normalement, cette fois, ça vient. Poum. Travail de précision. Travail d'orfèvre que tout ceci. Allez. 6000 balles de câble électrique. On n'aurait jamais pensé que les fils électriques valaient autant d'argent que ça. Hop. Doucement. Ah. Merde, je l'ai perdu. Il manque bien tout du carburant et de l'eau de... Ah ouais, j'ai bien entendu. Ok, on va simplifier la vie. Maintenant qu'on a enlevé les panneaux électriques dans cette zone-là... Allez, ça va nous simplifier la vie. Allez, on va aller chercher l'oxygène. Ouais, ça va, regardez ça. On est bon, on rachète l'oxygène. On rachète également le carburant. Et on est reparti, les enfants! Il nous reste 2 minutes 50, je pense qu'on a le temps d'aller dépasser encore un petit bout. Le deuxième morceau de coque extérieur de ce côté-ci, je pense qu'on peut le virer. Hop. Sachant que là, on va le découper comme ça. Et ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Alors, on va virer le câble électrique d'abord. Et à partir de là, voilà. On l'envoie là-bas, le deuxième panneau. Il reste une minute, les enfants, on va y arriver, on va être au top. Hop là, regardez ça aussi, là. Ouais, t'inquiète! Ah, j'aurais peut-être pas le temps. 45 secondes pour découper et jeter vers le collecteur, ça va être compliqué, je pense. On va terminer les câbles électriques. Et ce sera bien pour aujourd'hui. Hop! Poum! Voilà, parce qu'il reste 22 secondes, ça va être compliqué. Voilà,
ça c'est bon, mais ça va s'arrêter là. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. On terminera les soudures, on enlèvera le dernier élément. Regardez, on a fait 1 million 3 aujourd'hui. Belle efficacité encore. Et on n'a pas perdu, on a perdu 0,7% pour l'instant du vaisseau. Hein, c'était des câbles électriques qui sont partis, avec le reste dans le processeur qui ont été, qui n'ont pas pu être jetés dans la fournaise. Ça vient juste de là. On va atteindre le niveau 5 avec un kit de réparation. Ça va être top. On est bien. Je vous le dis. Ok. C'est court, hein, la journée quand même. Hein. Faut reconnaître, c'est court. Mais ça rajoute du piment. Faut être dans l'efficacité la plus totale. Hello, Shipbreaker 9346-50. Allô, ici Papy la Ferraille. Would like to share the following inspirational message. Some people dream of great salvage, while other people get up every morning and make it happen. Eh oui, moi je suis de ceux-là. Tous les jours, on réalise la ferraille. Regardez ça, on était à 1 milliard 242 millions. Maintenant, on n'est plus qu'à 1 milliard 241 millions. Ah non. Franchement, Papy la ferraille va vous rembourser cette dette là. À la vitesse de l'éclair, je vous le dis. Hop. On va aller regarder par contre, maintenant qu'on est passé au niveau supérieur, est-ce qu'on a moyen d'upgrader certaines choses ? Niveau propulseur, on n'a rien. Niveau scanner, on a A. L'interface des Link projette une large bande d'ondes EM qui détermine la densité, mais aussi l'état matériel et la composition chimique des objets afin d'interpréter les sous-systèmes du vaisseau. 36 points. 36 jetons Lynx. Je suis pas sûr que ce soit utile pour l'instant. Charge de démolition, ça m'intéresse pas pour l'instant. Découpeur modulaire laser. Acheter une lentille d'élite de rechange pour le scalpel. Les nouvelles lentilles sont fabriquées en orbite terrestre et leur livraison en garantie sans rayures satisfait ou remboursé. Portée plus 5 mètres. Ce qui... En fait, ça double la portée du découpeur laser. Ah, il y a des fois, c'est pas mal. Ça vaut 18 jetons par contre. Mais ouais, je vais la prendre parce que il y a des fois, on est un peu loin et c'est franchement dommage. Hop là, ça va nous simplifier un peu la vie, ça. Pour le grappin, on a ici un agencement révisé du circuit imprimé reliant le support à l'unité d'alimentation, entraîne une importante hausse de puissance et par conséquent, meilleure portée pratique du milieu de champ, portée 75 mètres. Sinon, on ajuste la limite opérationnelle du système de sangle pour plus de champs simultanés. Ouais, sangle max 30. Ah non, mais c'est le nombre de sangles qu'on peut avoir. Bah oui, mais ça je prends parce que j'en ai marre de retourner les chercher trop souvent. Et hop là, c'est parfait ça. Ensuite, la R&D de la division récupération fait gagner le grappin en efficacité, ce qui permet de le maintenir un peu plus longtemps à sa force maximale. Taux d'épuisement moins 10%, taux d'épuisement moins 10%, ça peut être pas mal ça. Vas-y. Hop. Et il nous reste un truc là-haut. La hausse de puissance, portée 75 mètres. Ouais, vas-y aussi, tant qu'on y est, on va améliorer le grappin au max tant qu'on peut. En attendant, nous, on va terminer notre vaisseau. Parce qu'il serait bon qu'on voit quand même un petit peu cette question de moteur, de réacteur, avant la fin de cet épisode, ce serait pas mal. On est au quai surtout en carburant et en O2. Ah, paf! Aïe, j'ai loupé le freinage. Ah là là, le freinage. Ah, c'est violent. Ah, c'est violent, le freinage. Ok, la combinaison est un peu touchée, mais ça va aller. Il n'y a pas de problème majeur. On va taper un peu sur le casque et ça ira. Je n'écoute pas du tout ce qu'ils nous racontent, les mecs, là. Je m'en bats les steaks total. Have a good one, fellow Earthling. Ok. Poum. C'est nickel. Et je pense que le dernier morceau, il doit bouger certainement de la même manière, logiquement. Voilà, bah écoutez, on a quasiment terminé. Il reste des points de découpe à l'intérieur pour l'avant.
Voilà, ce morceau-là, ça va dans la fournaise. Allez, in the fournaise, s'il te plaît. J'avais peur que ce soit plusieurs morceaux, mais non, 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 c'est bien cette structure-là. Allez, t'y vas ou pas là? Ou tu veux que je te... Tu veux pas que je t'accompagne, non, non plus? Oh, on a perdu une porte. Merde, il restait une porte. Oh, sans déconner. Alors là, par contre, ce qui nous reste, je sais pas. Hop. Ah si, il reste le panneau supérieur encore. Effectivement, on n'avait pas fait le dessus. Hop. Il y a des moments, ça déconne ce truc, je comprends pas. Allez, il nous en reste un autre. Allez, zou, hop. Oui, oui, je sais, je sais, je sais, c'est là-bas que ça se passe. Et on est bon. Ici, hop! Ça va, on respire un grand coup, on est bon. On freine, c'est bien. Ok, il me reste le dernier panneau là-haut qui tient avec ça, et après on est bon. Et là, normalement, il nous reste plus que la fournaise. Ah, merde. Putain, il y avait un panneau en alu au milieu. Aïe, 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 on a perdu de la thune, là. Ah, c'est dommage. On est bien d'ailleurs que là, il n'y a plus que ça, donc... Et on l'envoie là-bas. Et normalement, on termine le vaisseau. Alors, il y a les lumières qui vont pas compter, bien sûr, mais c'est pas grave. La fin du vaisseau, les enfants. Ah, quel plaisir de voir ça. Regardez, avant, on s'était emmerdé à le découper, alors que ça sert à rien. Il suffit de le balancer comme ça. Je sais pas combien on va perdre de lumière. Mais bon, c'est des petites lumières. De toute façon, si on les balance en bas, ça compte pas. Donc... Et c'est là que la structure rentre pas. Ça rentre pas. Ça veut pas rentrer. Si, ça y est. On a perdu une porte à 1000 crédits. 3000 crédits au total. Et on a gagné 47 000 quand même. Ça va, c'est tout bon. On a terminé avec ce chantier, les enfants. Une porte encore à 1000 crédits. Les structures sont en train de s'accumuler. On a terminé ça. Hop. Voilà, tranquille. Tranquille.
Et on rentre. Oui, on termine notre service aujourd'hui en avance, s'il vous plaît. Et nous avons fait 814 000 crédits, ce qui veut dire qu'on a gagné 300 000. C'est pas de la grosse journée. Mais bon, l'essentiel est dans l'actuel cap, disait l'autre. On a quand même bien avancé. On a eu le kit de réparation. On est parfait. On a terminé celui-ci de vaisseau. On est content. On a fait tous les objectifs et on l'a démantelé complètement. Et je suis très content de nous. Papy la ferraille est heureux. Papy la ferraille fait des étincelles, c'est fantastique. On va y aller. Pour découvrir le nouveau type de vaisseau avec le nouveau type de danger. Et notamment le réacteur. Deux seulement? Seulement deux? Voilà, 814 000. Bon, bah écoutez, c'est toujours mieux qu'à rien. On n'a même pas fait 300 000, c'est 270 000. La cuisine. On peut retourner au lit. Ou c'est encore pour changer les affiches, on s'en bat les couilles. Nous allons commencer le... espace de vie. Bah ça me ramène là, d'accord. Alors attendez, terminal des applis. Je voulais regarder dehors tout à l'heure. On l'avait pas réussi à voir dehors. Oh... magnifique, les chantiers de destruction comme ça, les barges à gauche, à droite. Fantastique, en orbite de la Terre, c'est devenu un véritable dépotoir, c'est la banlieue industrielle de la Terre. C'est quelque chose. Et nous, on va y retourner tout de suite pour découvrir donc les réacteurs et leurs dangers. Le vaisseau ici est terminé. Bah écoutez, on a tout récupéré, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on continue? On va pas continuer là-dedans, il n'y a plus rien à récupérer. Ah bah c'est entraînement pour le... ah oui, bah c'est entraînement pour le réacteur, ok. Aujourd'hui c'est... ouais, donc aujourd'hui c'est formation. Ah aujourd'hui je suis en formation, je suis pas productif. Je vais perdre du pognon du coup. Hein. Bah, bah tant pis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est bien pour ça qu'il fallait terminer le vaisseau d'avant quand même. Hein. I remember my first reactor pull. I was shaking like a leaf. You got less on the line now, but still. Let's try to do this without a critical meltdown. Ce serait mieux. Looks like this ship's reactor is toward the aft, but there are lots of different configurations out in the wild. Okay, we're only focused on one thing right now. Pull the reactor and get it on the barge. As soon as you disconnect the reactor from this ship, it'll start to melt down. So act fast and make sure you have an exit strategy ahead of time. La séparation d'un réacteur de sa plaque entraîne sa séquence de fusion. L'épuisement du compteur de fusion avant les conséquences catastrophiques. Vous devez absolument déposer le réacteur dans la barge le plus rapidement possible. D'accord. Donc il faut vraiment qu'on le sorte de là. Ok, il est là. Ça c'est un panneau. Ça c'est une coiffe pour propulseur. Notez que là nous n'avons pas de compteur d'oxygène ni quoi que ce soit. C'est pour se faire la main vraiment. Donc c'est positif. De toute façon, je pense que dans un vrai recyclage de vaisseau, il faudra commencer par recycler tout ce qu'on peut à l'extérieur avant, justement pour dégager la voie au réacteur. Il doit y avoir un sas à un endroit donné pour rentrer dans le vaisseau, c'est obligé. Ouais, il est là le sas. Attendez. Je vais être obligé de passer par là. Hop. Encore le sas, c'est pas sous pression. Hein. Hop. Ok, et le réacteur, ça c'est un terminal informatique. Alright, this one's pretty easy. Should just slide out of her coolant casing with a good yank from your grapple. Try to have your extraction fully planned out before disconnecting it from the ship. Ah, on a bien compris, réacteur de classe 1. Ok, il n'y a pas de problème. Donc bah écoutez, on va utiliser la technique qu'on a utilisée jusque là et qui fonctionne bien. Hein. Hop. On va tout simplement... un kit de réparation. Ok, il y a de l'oxygène en plus à garder. Ça pourra nous servir. Et le carburant pour réacteur aussi. Oui, mais on en a pas besoin dans ce tuto-là. Donc, c'est un peu embêtant. Doucement. Ok.
Parfait. Et à partir de là, on va pouvoir, sans aucun problème, parce qu'on pourra l'emmener à la barge tout de suite après. Regardez. Eh non ! Non ! Putain. Putain, c'était chaud. Ouais, c'est mes amis, j'ai pas oublié, c'est mes amis. Ok, et du coup, je fais quoi là? Et la console d'ingénierie, non, ça... Je peux rien faire. Je peux pas la tirer, celle-ci. Niveau de découpe. Elle est au-dessus. Ok. Et du coup, il m'a pas dit je continue. Bon, après tout, je suis chronométré. C'est ma journée de travail normale, maintenant. Ah oui, j'ai retrouvé les... D'accord. Journée de travail normale, les enfants. C'est fini, ce temps-là. Hein. Ah, le temps où c'est qu'on rigole, c'est terminé. Il faut faire de la thune. Beaucoup de thune. Ok. Attendez, on va collecter celui-ci à côté. Hop. Parfait. On est passé du mauvais côté. On va s'occuper ici, tac, du sol, hop. Doucement. Allez. Parfait. Alors, on reprend notre collecte de tout ce qui fait du pognon. Notamment ce chariot élévateur magnifique ici. Poum ! 216 000 balles. Il y a des caisses rembourrées. Poum ! Ça va être une journée ultra rentable, mais généralement, il faut reconnaître que les premières journées de démantèlement sont souvent les plus rentables parce que c'est celles sur lesquelles vous avez tous les items intérieurs qui valent du pognon. Et ça, vous les retirez assez facilement quand vous vous organisez correctement. Hop ! Comme moi, là, maintenant, en faisant directement le sol en premier. Hop. Salvage secured. Account credit applied. Poum. Bah écoutez, c'est fantastique. Poum. Alors, on va faire le panneau suivant tant qu'on y est. Hop. Salvage deposited. Applying credit to account. Hop.
Et de l'autre côté, up. Tu peux te... concentrer, papy, s'il te plaît. Mais n'importe quoi, n'importe quoi. Oh, il se bat. Ah, et moi? Ah, je suis mort. Non, ça va. Je suis pas mort. Mais j'ai mon panneau qui a foutu la malle, qui s'est foutu la malle. Il est tout là-bas, c'est paumé. Attendez, j'ai plus d'oxygène, faut que j'aille en chercher. Ah, c'est peut-être l'occasion d'aller leur chercher la balle près le panneau. Ouais, allez, attends, on va aller leur chercher le panneau. On va quand même pas le laisser là-bas, pardon. Alors. Radar, s'il vous plaît, parce qu'il faut aller le chercher là-bas. Hein. On remonte. Putain, qu'est-ce que t'as été paumé là-bas, toi, je te jure. Allez. Ok. Non. Et oui. Allez, le panneau. Dis que ça va marcher. Dis que ça va marcher. Putain. Allez. Oh la vache. Il aura fait bien du souci celui-là. Ok, il me reste 7 minutes. Top. On se remet dans l'ordre. On vérifie qu'on n'a rien oublié à l'intérieur ici et j'ai l'impression qu'on a oublié des trucs. Ça. Ah, l'écoutil de chargement. Ah putain, on peut pas la... Attendez. Ça vient de ça. Visiblement, hop. L'écoutille, elle vaut de la thune. Ouais. Top. Je sais pas si c'est une bonne idée. Tether supplies are low. Salvage accepted. Credit applied. Parfait. Ok, on a encore des trucs à... On a encore des trucs à supprimer. Les antennes. Ah putain. Ah putain, elle s'est barrée là-bas encore, cette conne. Putain, c'est pas possible. Oh là 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 là.
Non, mais laisse tomber, on l'a perdu l'antenne. Elle est morte. Elle est morte l'antenne. Ah là là, le con. À vouloir aller trop vite, voilà le résultat. All right, Cutter. You got 5 minutes left in this ship before they turn the lights out on you. Ah, je fais ce que je peux, vieux. Je fais ce que je peux, écoute. Ok, il y a les panneaux sur les côtés aussi. On peut détruire. Hop là. Hop. On regarde là. Parfait. Alors l'oxygène, j'en ai du gratuit à l'intérieur. Faut juste que j'y retourne. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, on a tout ce qu'il faut. Faut juste aller le chercher. Il est juste derrière. Regardez ça. Et voilà! Merveilleux, on a fait des économies. Sachant qu'il en reste deux autres, c'est génial. Alors, allons-y. Continuons d'engranger la thune, surtout dans les 2 minutes 40 qui restent. Poum. Salvage deposit registered. Account credited. Ok. Allez. Salvage secured. Applying credit. Voilà. Salvage deposit secured. Credits awarded. Encore de la thune. Regardez les barges de rangement encore là-haut. À chaque fois, 78 000 balles. Salvage deposit confirmed. Applying credit. Ça fait de la thune, ça fait de la thune. On a encore la lumière et les deux sièges, plus la console de pilotage. C'est oui, la lumière, ça compte, ça fait de la thune. On se plaint des prix des chaises de gamer, mais regardez la 50 000 balles. Ça coûte 50 000 crédits un siège comme ça, c'est incroyable. Allez. Voilà, il reste 20 secondes. Je ne pense pas que je puisse faire grand chose d'autre en 20 secondes, alors je vais aller me mettre dans le poste de pilotage, les enfants, et vous montrer la vue sur la maison. Voilà. C'est tout bon, le verre fait 88 000 balles. Hein. Attends, je sais pas comment le récupérer, le verre, c'est ça qui est terrible.
C'est fini et on a fait 3 millions d'euros aujourd'hui, ça c'est fantastique. Laissez-moi vous dire que là on a vraiment fait une grosse économie. On a également appris comment fonctionnait véritablement l'extraction du réacteur et Dieu sait qu'on n'est pas passé loin de la catastrophe déjà. Il faudra qu'on essaye de faire mieux la prochaine fois pour le prochain vaisseau. On n'est pas au niveau 2 encore de la récupération de celui-ci, on en a récupéré quand même 39% en une journée, perdu 0,2%. C'est quand même pas mal du tout, ça veut dire qu'on a encore potentiellement 5 millions à récupérer sur la bête. Et ça c'est top. Mais pour aujourd'hui, ce sera bien suffisant. On aura appris à extraire un réacteur et quand même pour Papy la ferraille, c'est déjà pas mal. Faut ingurgiter toutes ces informations. Manger un bout de poulet synthétique agrémenté de quelques algues de l'espace. Passer 4 heures d'un sommeil cryogénico artificiel et ensuite repartir pour découper. Papy la ferraille, le découpage. C'est comme ça, c'est la série de l'été. On est dans l'espace en attendant Starfield, ça continue. Si ça vous a plu, comme toujours, pouce, partage, abonnement, cloche et commentaire, le pack YouTube. Moi, je vous fais tout plein de gros poutous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de Papy la ferraille. C'était Papy, live from l'espace. À vous les studios. Ciao.